tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui toujours sur la thématique de l'e-commerce, du dropshipping. Aujourd'hui, nous allons parler du budget qu'il faut. Du budget qu'il faut pour créer une boutique en dropshipping. Le budget qu'il faut pour débuter en dropshipping. Pour débuter en e-commerce, plus principalement en dropshipping. Alors, j'ai bien dit débuter, ça veut dire qu'en cours de route, il y aura un certain nombre de choses que vous allez devoir ajouter. D'accord? Il y a 6 choses essentiellement que vous devez prendre en compte lorsque vous créez votre boutique pour une toute première fois. Premièrement, vous devez penser à la plateforme sur laquelle vous allez héberger votre boutique. Cette plateforme s'appelle Shopify. C'est une plateforme mondialement connue qui héberge des boutiques en ligne. Donc, ça s'appelle Shopify. Les premiers jours, les 14 premiers jours, vous avez droit à une utilisation gratuite de la plateforme. Donc, vous utilisez gratuitement la plateforme. Vous pouvez faire gratuitement toutes les ventes que vous voulez pendant les 14 premiers jours. Au-delà des 14 jours, on commence à vous facturer mensuellement. Vous devez payer un abonnement mensuel. Alors, il y a plusieurs options sur Shopify. Il y a l'option de $29 par mois, de $79 par mois et de $299 par mois. Ce que moi, je vous conseille, c'est de faire celui de $29 au début. Et avec le temps, la meilleure option, en fait, l'option que je vous conseille vraiment, c'est celle de $119 mensuellement. Mais un début, $29, c'est bon pour un début. Après, vous pouvez monter crescendo. D'accord? Donc, vous avez Shopify pour héberger votre boutique. Lorsque vous hébergez votre boutique, vous avez besoin d'un nom de domaine pour votre site, votre boutique. Et là, vous avez une possibilité. Shopify vous permet d'avoir un nom de domaine gratuitement. Mais le problème, c'est que à la fin, le nom de domaine à la fin porte shopify.com, enfin myshopify.com. Et donc, ce n'est pas professionnel. Lorsqu'un client, lorsqu'un acheteur vient sur votre boutique, ce n'est pas professionnel de voir myshopify.com. D'accord? Donc, vous devez acheter un nom de domaine. Il y a plusieurs vendeurs de noms de domaine. Il y a OVH, il y a beaucoup de vendeurs. Moi, je vous propose la plateforme, une plateforme française d'hébergement en ligne qu'on appelle One-to-One. Un et un, One-to-One. Et vous hébergez votre nom de domaine. Alors, il y a plusieurs options, mais l'option que je vous conseille vraiment, c'est l'option de 5,80 quelques euros par mois. Ça vous fera en gros 6 euros par mois que vous payez pour votre hébergement, l'hébergement de votre nom de domaine. Ensuite, vous avez besoin d'une adresse Gmail, enfin d'une adresse professionnelle. Pas une adresse personnelle. Vous ne devez pas utiliser votre adresse personnelle et vous devez éviter aussi d'utiliser les adresses Yahoo et Gmail. Ça ne fait pas professionnel. Vous devez utiliser une adresse contact ou support l'adresse de votre boutique.com. D'accord? Donc, techniquement, contact patel.com. Voilà, un truc comme ça. Donc, vous avez besoin de ça. Et il y a Gmail qui a un service qu'on appelle Gmail Suite. G-Suite. C'est un service de Gmail pour créer des adresses mail professionnelles et les héberger, vous donner un espace grand de stockage. Et donc, vous achetez une adresse mail professionnelle que vous associez à votre boutique en ligne. Et donc, ça va vous rapporter en gros, ça va vous revenir en gros à 8 euros. D'accord? 8 euros par mois pour votre adresse professionnelle. 8 euros par mois que vous allez devoir investir dans votre business. D'accord? Ensuite, cette adresse email pro va vous permettre d'éviter les spams. Parce que Google Gmail, par exemple, a son assez standard en matière de spam. Et si vous faites contact @gmail.com ou bien lorsque vous prenez contact @votre site, en fait lorsque vous achetez un mail professionnel, vous diminuez le taux de spam dans vos campagnes d'emailing lorsque vous contactez vos clients grâce à un emailing. Ensuite, vous devez prendre un autorépondeur. L'autorépondeur, c'est facultatif.
L'auteur important n'est pas obligatoire pour un début. C'est quand vous commencez par avoir des clients, des prospects, des visiteurs sur votre site et que vous arrivez à capturer leur mail. Vous devez capturer leur mail pour les relancer par mail jusqu'à ce qu'ils n'achètent. Donc vous relancez les nouveaux et les anciens aussi, vous les suivez. Le mailing permet de fidéliser votre clientèle. Le mailing permet vos prospects, vos clientèles. Et le mailing permet de créer un lien avec vos prospects et votre clientèle. Donc, vous devez avoir un auto-répondeur. Il y a plusieurs options. 12 euros si vous avez jusqu'à 1000 mails. 39 euros si vous avez jusqu'à 5000 mails. Donc, entre 1001 et 5000 mails. Et 145 euros si vous avez jusqu'à 10 000 mails et plus. D'accord? Donc, je vous conseille l'option pour un début. Si vous ne commencez pas à travailler et vous ne commencez pas à avoir des clients, l'option de 12 euros par mois est l'idéal, est la meilleure option que je vous conseille. Donc, vous commencez avec 12 euros par mois pour votre auto-répondeur. Moi, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai commencé. Je suis toujours à 1000 euros, enfin 12 euros parce que je n'ai pas encore dépassé le cap des 1000 prospects. Je suis toujours déçu. Pour ma nouvelle boutique, ma toute nouvelle boutique. Voilà. Ensuite, vous avez Facebook. Lorsque vous mettez vos produits sur votre boutique, vous devez faire connaître votre audience, vos prospects. Et le moyen le plus connu, pas forcément le plus efficace, mais le plus connu par tous les dropshippers, c'est Facebook Ads. Donc Facebook Ads, techniquement, ça veut dire quoi? Ça consiste à faire de la publicité, à sponsoriser ces produits sur Facebook. Donc vous créez une page Facebook que vous associez à votre boutique. Et donc chaque fois vous prenez les images de vos produits avec leurs liens et vous les mettez sur Facebook, vous sponsorisez la publication pour engager plus d'audience. Et donc ce que je vous conseille, et beaucoup de personnes le conseillent d'ailleurs, c'est de faire de partir au début avec un budget de 5 euros par jour et par produit. Alors j'ai mis 500 euros, n'ayez pas peur, dans le premier mois. 500 euros, c'est supposé que vous prenez 10 produits que vous testez chaque jour avec un budget de 5 euros. Donc vous testez 50 euros par jour, vous testez avec un budget de 50 euros par jour, au bout de 10 jours, ça vous fait 500 euros. Et si vous faites un bon ciblage sur Facebook, vous ciblez la bonne audience, 500 euros, ça peut vous rapporter un peu plus de 500 euros. D'accord? 1000, voire beaucoup plus. D'accord? Si vous faites un bon ciblage. Et donc, plus vous êtes vu, plus les gens viennent sur votre site, sur votre boutique. Même s'ils n'achètent pas, ils laissent leur mail. Vous pouvez créer un pop-up ou une page de capture de mail. D'accord? Ou vous les mettez dans un tunnel de vente. Ils laissent leur mail et vous les recontactez par mail après. Ok. Dernière chose que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte, c'est les frais des fournisseurs. Lorsque vous créez votre compte chez Stripe, le problème c'est que quand le client paye, ça prend 6 à 7 jours avant que l'argent ne vienne vers vous. Et pendant ce temps, et même pour PayPal est instantané. Mais avant que l'argent ne vienne vers vous, vous devez préfinancer la commande. C'est-à-dire, moi, je fais une commande sur votre boutique. Vous renvoyez la commande vers le fournisseur. Et donc, au lieu d'attendre 6 ou 7 jours pour que l'argent ne vienne, et après maintenant, je vais envoyer ça au fournisseur. Qu'est-ce que je fais? Je préfinance la commande, sachant que l'argent est déjà payé. L'argent va me revenir de toute façon dans 6 ou 7 jours. Je prends de l'argent dans ma poche et je préfinance la commande. Donc, le client, ça fait que le client, le fournisseur aura rapidement la commande et le client aura son produit assez tôt et sera satisfait. Et moi, je vais me faire rembourser après. Donc, voilà un peu le schéma que je vous propose, les investissements que je vous propose. En matière de dropshipping, il y a deux courants. Il y a des gens qui disent que vous avez besoin de beaucoup de moyens, d'autres disent que vous avez besoin de très peu de moyens. Moi, je ne dis l'un ni l'autre, mais je vous dis que vous avez besoin d'un minimum à investir. Dans tout business, il y a un minimum de montant d'argent à mettre pour pouvoir se développer, pour pouvoir progresser.
D'accord? Et donc, vous devez vous mettre dans la tête que le dropshipping est un business comme tout autre et vous devez investir dans votre business pour avoir plus de productivité. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un gros pouce bleu en dessous, commentez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis rendez-vous dans la vidéo de demain. Nous allons parler d'une autre thématique encore, toujours sur le dropshipping. La semaine prochaine, lundi, je lance un challenge 4 jours. Enfin, je lance un challenge pour monter sa boutique en moins d'une semaine. Monter tout le choix du produit, mettre sur la boutique tout. D'accord? Gratuitement sur ma chaîne. Donc, soyez prêts pour le challenge. Préparez vos ordinateurs, de la connexion internet. Ça ira fort rapidement et ça va être chaud. Ok? On se donne rendez-vous à demain. Bonne fête des femmes, nous sommes dans la journée internationale de la femme le 8 mars. Bonne fête à toutes nos mamans, à toutes nos soeurs, à toutes nos épouses, à toutes nos femmes. Et au lieu d'écrire sur les réseaux sociaux, bonne fête aux femmes, appelez vos épouses, appelez vos mamans, appelez vos soeurs, appelez vos collègues et souhaitez-leur bonne fête des femmes. Rendez-vous dans la vidéo de demain samedi.